Eccoci, stiamo salendo su alla nostra casetta perché abbiamo il terzo sopralluogo con l'ingegnere della distribuzione e la situazione è parecchio complicata perché noi distiamo 200 metri almeno dal palo della luce più vicino. Le soluzioni sono diverse e dobbiamo valutare qual è la più idonea alla nostra situazione e ai costi dell'intervento. Le soluzioni possibili sono praticamente un paio. O piantare un paio di pali. Le due strade possibili che questi pali possono percorrere sono o passando attraverso il terreno di vicini, in particolare il terreno di 11 diversi proprietari, o invece passare in mezzo al bosco. Le due soluzioni sono entrambe super complicate perché nel caso di piantare un palo sul terreno dei vicini bisognerebbe avere il permesso di tutti gli 11 proprietari e sono difficili da rintracciare, sicuramente c'è qualcuno che si oppone, quindi è una situazione abbastanza difficile. Nel caso invece del bosco, la difficoltà è che il dislivello è più pendente e comunque ci sono dei rami o addirittura degli alberi da tagliare. Ci sarebbe una terza opzione che è ancora più cara, che è quella di fare tutto sotto traccia, cioè scavare. Però quella è una soluzione che l'Enel sceglie solo se non c'è altra alternativa. In questo caso l'alternativa dei pali può ancora essere presa in considerazione. Adesso vi facciamo vedere la situazione. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a eu la troisième visite du technicien qui travaille pour la société qui amène le courant. Et donc, revirement de situation. Donc, à la base, ce dont on parlait, c'était de faire venir l'électricité d'un poteau électrique qui est plus bas par là, à environ 150 mètres. Et donc ça voulait dire faire intervenir une entreprise pour poser trois ou quatre poteaux. Et donc voilà, on s'était arrêté sur ça la dernière fois. Mais aujourd'hui, donc le gars est revenu et il nous a dit qu'en fait, il avait vu la dernière fois en redescendant de la maison un compteur qu'il n'avait pas vu au début. Et donc en fait, ce serait possible de faire arriver l'électricité par une tranchée à travers ce bosquet. Donc on ne voit pas du tout. En dessous, il y a une maison. Et en fait, on va pouvoir faire une tranchée, a priori, qui vient directement de ce compteur jusqu'à là où est Mahdi à peu près. Et ensuite, on va venir creuser jusqu'à la maison. Donc jusqu'à au muret ici. Et en fait, on aura notre compteur qui sera là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire arriver tout ça. Sì, Et abbiamo una soluzione però, eh. voilà, au moins il y a une solution. Bon, et alors on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait ces derniers jours aussi, parce que on n'a pas trop filmé, on n'a pas trop l'habitude, mais bon, on a quand même bien envie de documenter ce qu'on est en train de faire, donc on va essayer de se forcer un peu. Alors, ce qu'on a fait, on a nettoyé tout ça. Tout ce qui est ici avant, c'était un énorme bosquet de broussailles. Alors ensuite, ce qu'on a fait ces derniers jours, c'est nettoyer donc cette terrasse ici qui est juste au-dessus de la maison. Donc là, avant, on vous remontrera des photos, mais là où est Mahdi, on passait sur 40 cm. C'était Comme ça, comme ça. plein de broussailles là et plein de broussailles ici. Donc là, c'est tout nettoyé, tout propre. Voilà. Il faut encore bien nettoyer les racines, tout comme ça, mais au moins, voilà. Donc on en a profité
On a bien avancé sur le nettoyage de cette terrasse, sur le nettoyage de la terrasse du dessous. Là, on voit qu'on a bien brûlé aussi. C'est pas top de brûler, hein. C'est pas super écologique, vous direz, mais on n'est pas à côté de la déchetterie, on n'a pas de remorque. Donc bon, on se rattrapera sur d'autres choses. Voilà, là, on voit bien que on a bien nettoyé. Donc on est toujours pas arrivé au fond du terrain parce que c'est encore plein de broussailles dans le fond. Puis ouais, on a découvert des petits escaliers aussi qui vont de terrasse en terrasse. Donc il y en a un ici, il y en a un juste en face ici. Et il y en a encore un là-haut. C'est pas viandé. Il est où l'autre là? Ah, il est là. L'autre là-haut, il va dans l'autre sens ici. Et donc en fait ça voilà. Alors à quoi ça ressemble avant qu'on passe? Voilà, ça c'était les deux terrasses qu'il y avait en dessous. 1, 2. Avant ça ressemblait à ça. Alors aujourd'hui, on a de la chance, super journée. Grand ciel bleu. On voit les montagnes. Enneigé, on voit la mer juste devant. Bon alors le plan de la journée, profiter du beau temps et du fait que l'herbe est bien séchée pour débroussailler un petit peu. Donc on va laver, on va bien nettoyer les bas des murs de restanque qu'on avait déjà commencé à couper. Donc c'est Maddy qui va s'en occuper. On peut la voir dans le fond là. C'est la première fois qu'elle s'essaye à la débroussailleuse. Bon, elle a l'air de s'en sortir. Et alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le terrain pour nettoyer la restanque du dessous. Parce que, bon, elle est assez dégueulasse. Et passer à la débroussailleuse là-dedans, ça va être un peu galère parce qu'il y a des grosses branches, il y a des cailloux, on voit pas grand chose. Donc je vais faire un premier passage où je vais enlever le gros. Voilà. Et donc, je vous montre comment c'est maintenant. Voilà, ici. Il va y avoir un bon 60 cm de. Un bon 60 cm d'herbe.
Oggi per la prima volta ho provato il decespugliatore, che devo dire che mi faceva un po' paura, perché un conto è quando usi il filetto, non so se avete presente, il decespugliatore ha diverse lame, ha diversi attrezzi per tagliare da mettere. Un conto è quando usi il filetto, che serve per fare i bordi di un muro e togliere un po' due erbette. Un conto quando metti la lama un po' più impegnativa, diciamo che mi spaventava un po', però l'ho provato e invece è divertente, dà un sacco di soddisfazione. Io che sono una precisina della pulizia e dell'ordine, mi piace vedere il prima e il dopo, l'effetto che fa nel terrazzamento, diciamo. E niente, che altro? Ci stiamo approcciando a un mini progettino preliminare alla casa, che è una casetta degli attrezzi, costruita proprio semplice, con un po' di legno, un po' di USB. E niente, quindi stiamo valutando i prezzi dei materiali, cosa mettere come copertura, di che dimensione farla in base alle normative, e niente, tutto qui. Quindi a breve su questi schermi ci vedrete montare, cioè non montare, proprio costruire una piccola casettina dove metteremo gli attrezzi. In realtà non solo gli attrezzi, sarà una cabinetta a forma di A. Se cercate su internet ne trovate anche di belle, quindi triangolare, così a forma di A, e da un lato verranno messi gli attrezzi, dall'altro verrà posizionato il nostro bagno, perché dovete sapere che il nostro progetto è quello di trasferirci, accamparci qua durante i lavori, almeno quando inizierà la bella stagione, non adesso che fa un freddo porco. E quindi Vince quest'estate ha costruito un bellissimo bagno secco. Non so se l'avete visto precedentemente nei video, perché in questo momento è sempre piazzato nel dietro della nostra Kangoo. E Vince è molto eccitato di dover fare una cosa con le sue mani finalmente, perché questi mesi sono un po' difficili, devo dire. Siamo totalmente dedicati alla parte amministrativo burocratica della faccenda, ed è impegnativo.